Bon voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. En tout cas, la FNAC nous a fait un joli cadeau pour cette fin d'année, pour ce Noël qui aura lieu dans 2 ou 3 jours. C'est moi le cadeau. Et voilà, voilà. Patrick Hernandez, qui ne connaît pas ce personnage, cet homme, ce chanteur, cet artiste, ce grand talent des années 80. C'était en 79 et depuis, c'est devenu un standard. Je sais que vous aimez le mot standard. Et non, voilà, entre le tube et le standard. En tout cas, qui n'a pas chanté un jour, qui n'a pas dansé un jour sur Born to be Alive? Je ne pense pas qu'il y ait ici... Même les Martiens ont dansé. C'est vrai. Bon, en tout cas, Patrick, merci d'être venu aujourd'hui en Ardèche. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir, parce que l'Ardèche, c'est parfois compliqué, pas d'autoroute. Je suis venu en voisin, j'habite le Vaucluse. C'est ça, voilà. Donc voilà, très bien. Vous venez parce que vous venez de sortir aux éditions Mareuil un livre qui s'appelle Alive. Un livre passionnant, on apprend plein de choses sur vous. Et c'est vrai qu'au-delà de la chanson mythique, celle que tout le monde connaît, on apprend une multitude de choses qui nous permet aussi de découvrir l'homme et l'artiste, bien évidemment. Pourquoi avoir envie d'écrire ce livre aujourd'hui et pourquoi pas il y a plusieurs années. À voilà. Titre posthume, ça aurait été difficile. En tout cas, j'ai préféré le faire pendant que j'étais effectivement alive. Alors, en fait, ce travail a été fait pour ma fille. J'ai une fille qui a 10 ans. Oui. Et donc, j'avais peur que de ne pas avoir le temps de lui raconter mon histoire. Et finalement, j'ai fait ce travail en amont et avant de rencontrer un éditeur qui m'a fait la proposition, sans savoir que j'avais écrit déjà en amont la chose, De sortir une autobiographie. Donc le travail était fait au départ pour ma fille, qui a 10 ans aujourd'hui, et ensuite la rencontre avec cet éditeur a provoqué la sortie de ce livre. Et je lui ai dit, ça tombe bien que cette proposition arrive maintenant, puisque le livre, effectivement, est déjà tout écrit, donc il n'y a plus qu'à corriger les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe et de grammaire, et on sort le livre. Donc voilà, voilà l'historique un peu de cette histoire. Et je suis content, effectivement, que les gens, en lisant ce bouquin, découvrent autre chose que les 3 ou 4 récurrences que l'on dit sur moi depuis des années, dans l'histoire avec Madonna, l'histoire des ventes de disques un peu incroyables réalisées avec ce titre, le fait, effectivement, de vivre encore très bien des retombées de cette histoire-là. Donc c'est les 3 points sur lesquels on revient en récurrence à mon sujet, et je trouvais plutôt sympa d'aller raconter cette partie émergée en fait de l'iceberg que les gens ne connaissent pas, d'aller leur raconter un peu dans le détail ce qui s'était passé avant, pendant et après cette histoire fabuleuse de Born to be Alive. Ok. Vous avez, on apprend dans ce livre que vous vouliez être Beatles. Alors, c'était pas chanteur, mais c'était Beatles. En fait, oui, à la base, je n'étais pas du tout destiné à devenir chanteur ni musicien. En fait, je me destinais au professorat d'anglais. Et mes parents avaient eu à l'époque la bonne ou la mauvaise idée de m'envoyer en Angleterre vivre dans une famille. Donc j'avais à l'époque 15 ans, 15 et 16 ans. Donc j'ai passé 2 ans en Angleterre. Et c'est là où je me suis heurté à la musique des Beatles. Et en fait, ça a été une vraie révélation pour moi, c'est-à-dire pour un type qui n'avait pas du tout l'intention de faire de la musique. J'ai eu soudain envie d'en faire. Et en fait, l'objectif, c'était de devenir ce que ces jeunes gens étaient à l'époque, c'est-à-dire de devenir un Beatle. Alors en fait, avec Born to be Alive, j'ai touché du doigt effectivement ce qu'était l'hystérie mondiale et planétaire autour de la musique. Et je me suis aperçu très vite que ça n'était pas tout à fait ce que j'avais envie de faire finalement. Donc je suis revenu à des choses plus raisonnables par la suite. Alors on apprend dans votre livre une histoire, une enfance avec des parents aimants, de l'amour. Et puis il se passe un événement un peu difficile pour vous, c'est vos parents vous mettent en pension et ça se passe mal. Parce que c'est toujours pareil, c'est toujours par rapport à votre fille que vous confiez ce genre de... Vous vouliez que votre fille soit au courant un petit peu de votre enfance? Oui, parce que ce sont des choses qu'on garde un peu cachées quelque part. Alors effectivement, moi je vivais dans une famille italo-espagnole, donc une ambiance très très familiale, très conviviale. Et soudain, mes parents ont eu la mauvaise idée de divorcer, comme ça arrive dans beaucoup de familles encore aujourd'hui.
Et donc, pour ne pas, ne pas confronter l'enfant à cette séparation un peu brutale, un peu difficile des parents, on m'a collé en pension chez les frères à l'époque. Et j'avoue que de passer de cette ambiance familiale, ce cocon vraiment familial à une ambiance de monastère, a été quelque chose d'absolument terrible pour moi. J'ai recommencé à faire pipi au lit d'ailleurs à 7 ans, parce que j'étais tellement choqué par cette histoire que c'en est devenu vraiment terrible. Et on a dû m'extraire au bout de 2 trimestres de cette pension, parce que je dépérissais à vue d'œil. Et donc, ce sont des petites choses, des petits détails comme ça qui font vraisemblablement les êtres humains tels qu'ils sont plus tard. Et c'est quelque chose qui m'a vraisemblablement, qui a compté dans mon existence et qui a peut-être façonné aussi ce que je suis devenu par la suite. Quoi. Très bien. Ensuite, il y a la rencontre avec la musique, les créations de groupes. Comment ça s'est passé un peu comme ça, cette évolution? Vous jouiez avec des copains d'école, vous aviez voulu reproduire la guitare, on lit ça. De George Harrison. Voilà, de George Harrison. Eh bien oui, j'ai joué comme la plupart de mes camarades. Il y a plein de gens dans le showbiz aujourd'hui qui sont chanteurs très très connus et qui ont commencé dans des petits groupes de banlieue, qui ont fait pour la plupart du bal, c'est-à-dire qui ont travaillé dans des orchestres de bal. Ça a été un peu mon cheminement. De l'âge de, je dirais, 17 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ensuite, à partir de 20 ans, j'ai fait un peu de bal et j'ai rencontré un groupe qui s'appelait Paris Palace Hotel et avec lequel j'ai enregistré trois disques qui n'ont absolument pas fonctionné, mais qui m'ont permis de rencontrer celui qui allait devenir le producteur de Born to Be Alive, un belge producteur qui s'appelait Jean Van Loo, et avec lequel donc, j'ai commencé à collaborer dans les années 73-74. Très bien. Au bout de quelques années, en 78, on décidera tous les deux de retravailler ensemble et on retravaillera donc sur Born to Be Alive tel que les gens le connaissent aujourd'hui. Alors on voit un paragraphe intéressant, marrant, parce que j'ai habité un peu la Dordogne, donc la cathédrale Saint-Front, la rue Montaigne, Périgueux, oui. La Régence. Oui. Voilà, donc on apprend plein de choses sur vos folles années quand même, parce que là, c'est quand même des années quand même... Folkloriques, oui. D'ailleurs, qui sont très amusantes. Et puis, il y a donc 1973, parce que c'est vrai que Born to be Alive, si on regarde sur le disque, il est marqué 1979. Tout à fait. Alors que ce titre naît 6 ans auparavant. Tout à fait. Alors, ce temps de gestation des 6 années qui ont permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est plus long que les éléphants. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce n'est pas du tout la même version. Version moins disco, puisqu'en 79, on est vraiment en pleine fin du disco. Hein. Mais 73, pourquoi ce titre n'a pas le succès qu'il a encore aujourd'hui? Alors, en 73, j'écris la chanson, mais j'écris une chanson qui est tout à fait différente de celle que les gens connaissent aujourd'hui. C'est une chanson qui est une chanson folk, jouée à la guitare acoustique, donc qui n'a rien à voir avec la version qu'on connaît aujourd'hui. Et cette chanson reste dans les tiroirs pendant 2 ans. En 75, j'enregistre une première version avec le groupe Paris Palace Hotel, mais le groupe était un groupe de pop et de rock. Donc, on enregistre Born to Be Alive dans une version beaucoup plus rock que celle que les gens connaissent. Et le disque ne sort pas parce que le disque n'intéresse personne à l'époque. Donc ça retourne encore dans un tiroir. Et en 78, donc, le producteur me demande de revenir sur cette chanson dans une version que lui a imaginée dans sa tête, qui serait une version disco. Alors au départ, ce n'est pas tout à fait une bonne idée pour moi parce que je ne suis pas issu de ce monde musical-là, que c'est une musique que je comprends assez mal finalement et que j'aime assez bien, assez pas bien. Et donc finalement, je me laisse convaincre de faire un essai comme ça de dance sur Born to Be Alive. Et quand on sort du studio de maquette avec cette maquette qui ressemble étrangement à l'original que tout le monde connaît, je reste à ce moment-là persuadé qu'on a une bonne idée et qu'il faut aller au bout de cette idée-là. Et on sort cette chanson. Donc, on essaye de vendre cette chanson à partir de septembre 78 et on se fera jeter vraiment de partout jusqu'en décembre 78, voire janvier 79. Et il faudra que l'Italie s'y intéresse premier temps pour que le disque sorte. Le premier pays à sortir le disque sera donc l'Italie. Le second pays sera la Belgique. Et on obtiendra des résultats exceptionnels en très peu de temps. En 15 jours de temps, on est numéro 1 à la fois en Italie et à la fois en Belgique. Et à partir de ce moment-là, les mêmes Français que nous avions vus auparavant et qui nous avaient jetés
en disant que le disco était terminé, que la chanson était trop rapide, que le nom de l'artiste n'allait pas, que Born to Be Alive est un pléonasme en anglais qui ne se dit pas, etc. etc. Et ces mêmes gens-là donc, signeront finalement le contrat avec nous pour sortir le disque en France. Et ensuite, bon, ce sera un enchaînement de pays, l'Allemagne, la Suède, la Scandinavie, les États-Unis, l'Australie, le Japon. Ouais. Alors justement, chanter en anglais, puisque c'est vrai qu'on est chanteur français qui produit une chanson en anglais et qui va connaître son succès au départ en Italie, enfin produite en Italie. C'est une chanson un peu européenne, on va dire. C'est une chanson tout à fait européenne. En plus, elle a été enregistrée en Belgique, en plus. À Bruxelles, pour ne rien cacher. Je dois beaucoup aux Belges dans l'histoire Born to Be Alive, puisque dans l'histoire Born to Be Alive, je suis le seul Français. Le producteur est en Belge, les musiciens étaient en Belge, le studio belge, l'arrangeur belge. Tout le monde était belge dans cette histoire, donc je leur dois effectivement beaucoup. C'est effectivement une chanson très, très européenne, très, très ouverte. Et on s'apercevra que tous ces désavantages qu'on nous avait annoncés dans ces 6 mois de pérégrination en France deviendront par la suite des avantages absolument incroyables. Donc quand on passe cette barrière, il faut savoir que quand on a une bonne idée au départ, il faut aller jusqu'au bout de son idée et surtout ne jamais flancher. Il faut vraiment aller au fond des choses et ne jamais s'occuper de ce que peuvent dire les gens quand on est persuadé qu'on a raison. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant, est-ce qu'il y a d'autres histoires comme la vôtre dans le monde d'un succès planétaire, parce qu'il faut quand même reconnaître, c'est un succès planétaire, avec un seul titre? Parce que vous avez fait d'autres titres, oui, mais qui n'ont pas connu le succès qu'a connu Born to Be Alive. Non, il faut dire que même s'ils ont eu du succès pour certains d'entre eux, le succès de Born to Be Alive est tellement écrasant à côté qu'il a fini par effectivement écraser tout le reste. Ce qui n'est pas très grave dans la mesure où je trouve que Born to Be Alive aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans Star 80, très régulièrement, tous les jours même, que Dieu fasse, je m'aperçois encore de la verdeur absolument extraordinaire de cette chanson. On commence le spectacle de Star 80 d'ailleurs par Born to Be Alive, histoire de mettre tout le monde de bonne humeur. Et c'est une chanson qui aurait pu être enregistrée hier. Elle est absolument incroyable, c'est tout à fait miraculeux. Donc cette histoire est vraiment une histoire absolument incroyable. Donc vous êtes le seul artiste dans le monde à avoir connu cela? On appelle ça en anglais « what hit wonder ». Donc je suppose qu'il doit y en avoir d'autres, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit. Mais effectivement, aujourd'hui, de toute façon, on ne vend plus ce qu'on vendait dans le temps. On ne vend plus beaucoup de disques aujourd'hui. C'est-à-dire que le disque d'or à l'époque de Born to Be Alive en France était situé à 1 million de ventes. Aujourd'hui, il est à 50 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est du tout la même chose. Donc, effectivement, les One Hit Wonder comme ça, il y en a vraisemblablement d'autres. Mais à ce point-là, j'ai vendu quand même, pas du livre, j'espère que je vais en vendre autant, mais j'ai vendu du disque 27 millions d'exemplaires. Ah, c'est ça, voilà. Absolument invraisemblable. 27 millions de singles, 56 disques d'or. Tout à fait. Numéro 1 dans 25 pays. Tout à fait. Dont les États-Unis, ce qui est quand même, il faut le souligner, assez rare pour un Français, il faut bien souligner. On parle de Star 80, justement. Vous commencez ce livre, avec le t-shirt de la demoiselle. Vous voyez que nos clients sont extrêmement jeunes. Hein. C'est vrai. Justement, ce qui est quand même, vous en faites référence d'ailleurs dans le livre. Vous dites un jour quelque chose m'a touché. C'est un disque jockey qui est venu me voir en disant à chaque fois qu'on a envie de redémarrer une soirée, on met ce titre. Et c'est vrai que dans toutes les soirées aujourd'hui, dans toutes les discothèques, tout le monde reprend le refrain. Vous commencez d'ailleurs ce livre en disant, voilà, Stade de France, 55 000 personnes. Et là, vous avez vraiment, vous rentrez dans un état, je ne sais pas comment, c'est un état de transe. Je peux vous dire que le Stade de France, c'est quand même quelque chose pour un artiste. On a fait tous beaucoup, beaucoup de choses dans nos carrières. On est 20 artistes dans cette histoire-là, mais quand on se retrouve effectivement au Stade de France plein et qu'on doit démarrer, il y avait une image qui était effectivement... on était captés par TF1 ce soir-là, en direct, et il y a une image que je n'oublierai jamais, c'est notre air déconfit avant de rentrer sur le premier titre qui était une collégiale, et je ne nous ai jamais vus avec une mine aussi triste parce qu'on s'est dit on va vraiment au casse-pipe et on a pourtant l'habitude des grandes salles, on fait Bercy quasiment tous les ans, ce qui est déjà quand même très très bien, mais là le Stade de France c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc le fait de faire ce genre de manifestation encore aujourd'hui avec ce genre de titre est absolument exceptionnel. Et c'est vrai que la jeune fille vient de me dire tout à l'heure qu'elle était à la halle Tony Garnier de Lyon. Et
souvent les gens me disent oh, la nostalgie, c'est... mais Star 80, ça n'est pas que de la nostalgie. Les nostalgiques dans la salle, quand on a une salle de 10 000 personnes, il y a un tiers, un tiers, un tiers. Il y a les nostalgiques qui font un tiers, il y a des trentenaires et des quadras qui viennent faire la fête, et il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent. Mais selon vous, à quoi tient ce succès aujourd'hui de cette... On parle aujourd'hui des standards, les années 80. Oui. Une soirée, années 80, on sait que c'est un succès. Années 90, on n'en parle pas. Années 2000, on n'en parle pas. Années 2010, on n'en parle pas. Pourquoi, selon vous, parce qu'on a des jeunes, hein, alors c'est sûr qu'il faudrait peut-être lui poser la question, qu'est-ce qui l'interpelle, qu'est-ce qui l'intéresse, mais selon vous, en tant qu'artiste, vous êtes habitué, vous les voyez, ces jeunes, hein, vous parlez de tiers. Pourquoi, en fait, un tel succès sur ce type de chansons, sur ce type de répertoire? Je crois que déjà, dans nos chansons, il y avait une variété qu'il n'y a plus aujourd'hui. Alors, je n'ai absolument rien contre la musique d'aujourd'hui. J'ai même des copains, Vianney est un bon copain, Julien Doré, on se croise assez régulièrement, et j'apprécie beaucoup ce que font ces jeunes gens. Mais finalement, je trouve qu'il y a quand même un format un peu appliqué. Ce sont des chansons qui se ressemblent beaucoup, ce sont des chanteurs qui se ressemblent aussi beaucoup, et on a l'impression qu'il y a un formatage absolu de la chose. Et la différence avec nous, c'est que quand on vient voir, par exemple, le spectacle de Star 80, nous sommes 20 artistes qui chantons 20 chansons qui sont totalement différentes. C'est vrai. Mais totalement différentes les unes des autres, et qui sont toutes liées quelque part à plus ou moins la fête, plus ou moins la bonne humeur, plus ou moins quelque chose de gay quelque part. Ce que l'on ne retrouve pas forcément dans le répertoire d'aujourd'hui. Alors heureusement, on a toujours les éternels grands américains. Bon, Timberlake vient d'en faire un absolument sublime l'année dernière. Il a fracassé le monde entier, mais avec une chanson encore très... Ah, mais on retrouve... Mais complètement. On n'est pas dans cette espèce de sinistrose. Un peu de sinistrose. Ouais. Alors je veux pas qu'on pense que je dise du mal de la chanson d'aujourd'hui, parce que ce serait malvenu. C'est pas ce que je pense, mais je pense qu'un peu de diversité ferait du bien quand même. Mais chaque chanson qu'on peut passer en soirée, que ce soit, on va dire, Peter et Sloan, tout le monde connaît par cœur les chansons. Jean-Luc Lahaye, Femme, tout le monde connaît. Cookie Dingler, Femme libérée, tout le monde connaît. Enfin, ils ressortent tous à faune de nos spectacles, parce que c'est effectivement de A à Z, pendant 3 heures de spectacle, les gens chantent tout de A à Z, et c'est absolument incroyable, quoi. Mais je pense qu'en plus, nous sommes rentrés un petit peu dans l'intimité des gens depuis 30 ou 40 ans. Donc on est devenus des espèces de frères, grands frères, pères, grands-pères pour certains, et on fait partie vraiment du paysage. Je vois que la reconnaissance des gens, elle est plutôt douce aujourd'hui, elle est plutôt sympa. C'est plutôt de l'ordre du clin d'œil, du bonjour comme ça, du sourire, tiens, on t'a reconnu, mais on t'emmerde pas. C'est plutôt quelque chose de hors hystérie, mais qui est plutôt très très sympathique. Mais j'ai l'impression vraiment qu'on fait partie du paysage. On est là, et nos chansons sont là de la même façon. Born to be Alive est une chanson, je pense, qu'il y a que dans les enterrements, vraisemblablement, qu'on l'entend pas, quoi. Mais il n'y a pas un baptême, il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une manifestation, il n'y a pas une fête foraine où on n'entend pas ce genre de chansons. Quand je dis Born to be Alive, on peut dire la même chose de Macumba ou de Femme libérée. C'est la même chose. Donc voilà, je crois que tout ça tient à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des années, on est là, on est dans le paysage, on s'est un peu imposé. Nous sommes peut-être les derniers à avoir imposé des images fortes qui sont restées dans le temps. Bon, Patrick Hernandez, c'est le garçon qui chante avec une canne. Les gens ont mémorisé tout ça, alors qu'aujourd'hui, les chanteurs passent un petit peu comme ça. Ils se ressemblent tous un peu. On dit c'est lui ou c'est l'autre? Non, mais je ne sais plus, là, parce qu'ils se ressemblent vraiment. Tous des chanteurs un peu blonds avec une petite guitare ou un ukulélé. Enfin, je trouve que ça manque un tout petit peu de diversité. Mais est-ce que c'est pas non plus le reflet de la société telle qu'aujourd'hui? Une forme d'insouciance dans les années 80 où voilà, on aimait faire la fête, et aujourd'hui que c'est un peu compliqué, la société dans laquelle on vit. Est-ce que c'est les chanteurs ne sont pas le reflet de cette société, tout simplement? Moi, je crois qu'il faut faire attention quand on parle des années 80. Il ne faut pas penser que c'était des années youpi. Les années youpi, pour moi qui ai vécu toutes ces années-là, c'est plutôt la fin des 60 et c'est surtout les 70. Les années 80, c'est les chocs pétroliers, c'est la fin des 30 glorieuses, c'est le sida qui nous est arrivé sur le coin du nez. C'est plein de bonnes choses. Alors peut-être que justement la musique que l'on faisait était en contrebalance
de ces événements un peu terribles qu'on avait tous, qu'on vivait tous au jour le jour. Et c'est pour ça que peut-être nous étions tous très, très, très affairés à faire des chansons très joyeuses et plutôt, plutôt rigolotes. Mais il ne faut pas penser que les 80 sont des années dorées. Les années dorées, c'est plutôt avant. C'est plutôt ce que j'ai vécu, moi, dans les 70. L'insouciance des 70, c'est vrai, les Beatles, les groupes pop de l'époque, le Peace and Love, enfin, tout ça était... Ça, c'était rigolo. Les années 80, c'était moins rigolo quand même. Et peut-être que justement, cette musique joyeuse qu'on déployait à l'époque était en contrebalance intéressant de ces choses-là. Oui, ce recadrage, c'est intéressant. Oui. Les années 80 et tout ça. Non, les années 80, c'était la merde totale. Vraiment. On parle évidemment de Madonna. Vous en aviez parlé tout à l'heure en préambule. Madonna qui n'a jamais dansé pour vous. Louise. Oui, voilà, Louise n'a jamais dansé pour vous. Et pourtant, tout le monde pense que... On a beaucoup dansé, mais dans les boîtes de nuit. C'est ça, voilà. Oui. Alors oui, en fait, pour je rectifie dans le bouquin, mais ouais. J'essaye de le faire à chaque fois qu'on me pose la question. Effectivement, Madonna, nous étions très amis tous les deux. Je l'ai découvert au cours d'une audition que nous avions organisée à New York pour trouver des danseurs. Devant son talent, qui était naissant, mais déjà extrêmement... affirmé, on a décidé donc de ne pas la faire danser avec moi puisque c'était un peu inutile dans la mesure où j'avais le choix, j'en avais plein d'autres à faire travailler derrière moi et je l'ai donc ramenée dans mes valises à Paris. Le propos à l'époque, c'était effectivement de la présenter au producteur et de lui faire enregistrer, qu'il lui fasse enregistrer un disque, chose qu'elle ne voulait pas faire à l'époque puisqu'elle ne voulait pas chanter. Au départ, elle ne voulait pas chanter. Elle voulait faire du cinéma, du théâtre, elle voulait danser mais elle ne voulait pas chanter. Et bon, peut-être que la seule chose que j'ai pu lui apporter pendant cette année que nous avons passée ensemble, c'est le fait de l'avoir convaincue qu'elle pouvait le faire. Ceci étant dit, elle ne s'est jamais arrangée avec les producteurs sur le choix du titre à chanter, puisqu'à l'époque, elle n'avait pas envie de faire de pop. Elle avait plutôt envie de faire des choses new wave, punk à l'époque, et que ça ne correspondait pas du tout à ce que les producteurs avaient envie de faire. Donc elle est retournée aux États-Unis au bout d'un an. Et on est resté dans très bons termes, on est resté copains, mais bon voilà, elle n'a jamais, au grand jamais, effectivement, ni chanté bien évidemment avec moi, puisque le disque était déjà enregistré quand je l'ai rencontré, ni dansé, sauf effectivement dans les boîtes de nuit parisiennes et autres. On a fait beaucoup de voyages ensemble, on est parti en vacances, on a fait beaucoup de séances de photos, de choses comme ça, des choses qui ressortent de temps en temps dans la presse. Et on est en très bon terme, donc il n'y a pas de souci avec elle. Une autre fausse idée, c'est, d'ailleurs vous êtes un des seuls artistes à en parler assez librement, c'est de ce que vous a rapporté cette chanson, parler de Capital, l'un des journalistes de Capital qui vous avait posé la question combien touchez-vous avec cette chanson, et vous en parlez assez librement. Pourquoi ? Moi, je le vois plutôt à l'américaine. Moi, je suis plutôt content de gagner des sous avec mon travail plutôt que de le cacher. En plus, bon, voilà, je ne cache rien à mon percepteur. Donc, finalement, je peux donner des chiffres qui sont des chiffres véridiques. Maintenant, quand je parle d'argent, il faut savoir que il ne faut jamais oublier ça, bien évidemment, de chiffres bruts. Brut. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui me reste dans la poche, bien évidemment, à la fin. Et qu'en plus, sur cette histoire de Born to Be Alive, j'en suis le papa à 150%. Donc je suis auteur, compositeur, interprète, éditeur, producteur. Qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, qui s'appellent des droits voisins autour de Born to Be Alive. Présence de la chanson dans des films, présence de la chanson sur des pubs, qui sont des choses qui sont... grassement payé, il faut bien le reconnaître. Donc tout ça, effectivement, met du beurre dans les épinards, mais finalement, comme il est dit dans le bouquin, finalement, une fois que les déductions sont faites, une fois qu'une certaine partie de ce que je gagne va sur des sociétés, des choses comme ça, dans ma poche, il me reste quoi ? La paye d'un PDG, d'une bonne boîte, c'est tout, mais je ne suis pas, au grand jamais, je ne suis pas les Beatles et les Rolling Stones réunis. Non, mais c'est ça qui est donc, intéressant aussi d'apprendre. Je donne un chiffre brut. Et pourquoi je le donne, ce chiffre brut ? C'est simplement aussi pour expliquer à quel point cette aventure est exceptionnelle. C'est-à-dire que 40 ans après, on peut encore, avec une chanson qui est une chanson d'anthologie, on peut encore générer autant d'argent. Mais c'est l'argent qui est généré autour de Born to Be Alive ne va pas dans le fond de ma poche
bien évidemment. Donc voilà ce chiffre, il ne faut pas le prendre au premier degré. Il faut savoir qu'il ne me reste pas ça dans ma poche en fin d'année. Oui, mais il y a tout un fantasme derrière tout cela. Hein. Oui, bien sûr. On entend sûr. Patrick Hernandez, c'est 1500 euros par jour. Tout à fait. Bon, voilà. Et c'est vrai que les gens confondent souvent le brut et le net. Et quand on est chef d'entreprise, on sait très bien que le brut, jamais ça en net dans la poche. Voilà. Déjà, une fois que les impôts sont payés, il ne reste plus que la moitié. Déjà, pour commencer. Voilà. Très bien. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune artiste qui démarre aujourd'hui dans la musique et qui rêve d'une carrière comme la vôtre ? Ben, je l'ai déjà donné tout à l'heure, c'est-à-dire de croire en son étoile, parce que ça, c'est vraiment important. Et de ne jamais forcer les choses et d'aller au bout de ce qu'il a envie de faire et surtout de ne pas se faire de concessions. C'est-à-dire de ne pas être bloqué non plus sur des choses, de ne pas se chapeliser, de ne pas avoir envie. Moi, si j'avais répondu à ce que me dictait ma conscience, jamais j'aurais enregistré Born to be Alive de la façon dont je l'ai enregistré en disco, parce que ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire. Mais j'ai essayé de le faire au moins, donc ça, c'était plutôt sympa. Donc voilà les conseils que je puisse donner, c'est ça. Et puis de ne pas se laisser effectivement trop de portes ouvertes ou de se faire des concessions en disant « Ouais, bon, on verra bien, ça ira. » Quand on a une idée, il faut vraiment aller au bout et aller vraiment au bout du bout de son idée, c'est-à-dire ne pas s'arrêter avant et croire en ce qu'on fait. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher, jamais. Si on avait lâché, vous vous rendez compte, 6 mois pour imposer ce titre, si jamais on avait été velléitaire et qu'on s'était dit, bon, on s'en fout, on va faire autre chose, vous vous rendez compte qu'on passait à côté de ça, quoi. Vous imaginez un seul instant, j'avais 2 producteurs, il y en avait un qui croyait dur comme fer, mais il y en a un qui, 15 jours après, était déjà passé à autre chose en disant on abandonne, on n'a qu'à faire autre chose et tout. S'il n'y avait pas eu le deuxième, on abandonnait. Donc voilà, tout ça n'existait pas. La chanson n'existait pas, le succès non plus, le bouquin non plus. Et le fait que je sois là aujourd'hui en train de vous faire coucou n'existerait pas non plus. Bon, nous sommes à quelques jours de... On va vous laisser après avec vos fans. Nous sommes à quelques jours de Noël, quelques jours de la fin d'année. Auriez-vous un message face à la caméra à transmettre à nos téléspectateurs ? Qu'aimeriez-vous dire justement cette fin d'année ? Eh bien, écoutez, restez vigilants. Croyez en l'avenir, effectivement. L'avenir va être rose, vous inquiétez pas, c'est moi qui vous le dis. Et puis, bonne fête de fin d'année à tous. Bonne nouvelle année. 2017 sera encore meilleur que 2016, on l'espère en tout cas. Et un peu plus calme. Allez. On peut applaudir Monsieur Patrick Hernandez. Merci beaucoup. Bonne suite sur TV07. On se retrouve très très prochainement pour d'autres émissions.